Gabriel. We have such history, you and I. How do you know me? Et bonjour à tous, c'est Dimway, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Witcher Wild Hunt. Alors, on est censé partir pour les faubourgs de Vizima, toujours à la recherche de la belle Yennefer. Ceci étant, je vous avais dit que je ferai avec vous les quêtes secondaires, donc on va les commencer ensemble tout de suite. Maintenant, alors c'est pas garanti, parce que s'il y en a 80 par niveau, je sens que ça va en saouler pas mal, dont moi. Donc au moins on va commencer, je sais que toutes les quêtes secondaires, a priori, sont scénarisées. Donc voilà, ce sera pas des quêtes toutes pourries. Et puis, quoi d'autre vous dire, j'ai pas forcément joué de mon côté. C'est pas faute d'avoir voulu, malheureusement j'avais pas grand chose à faire. Et j'ai juste été dépoper les nids de monstres. Je vous avais dit qu'il me manquait que ça la dernière fois. Donc ça y est, c'est chose faite, j'ai pu me crafter des bombes. Et à ce titre, j'ai remarqué en fait dans les menus qu'à partir du moment où vous craftez des ressources, donc vous voyez ici on avait crafté les popotonnerres, même s'il ne vous en reste plus, l'icône apparaît encore du coup dans votre inventaire, donc je trouve ça pas mal, ça crée un icône permanent, et au moins on peut voir tout de suite où on en est, que aller chercher, parce que si on a 10 milliards d'objets utilisables, pour s'y retrouver, ça sera un peu le bordel. Voilà, bref, on attaque tout de suite, on est à proximité de notre première quête secondaire, donc on va y aller, et on va voir ce qui se passe. Vous parlez souvent à votre chien ? C'est celui de mon frère Bastien, mais autant dire le mien maintenant. Vous voyez, Bastien a combattu les Nilfgaardiens à l'orée du village. Et depuis, je suis sans nouvelles. Fais comme moi, je lui dis. Coupe-toi un doigt ou deux, ils t'enrôleront pas. Il a pas osé. Bon sang de bois. À votre place, j'irai voir sur le champ de bataille. Je l'ai fait. Un océan de cadavres et de goules. On m'a dit qu'elles avaient peur du feu, alors j'ai pris une torche pour les repousser. Des conneries, ouais. Sans ce bon vieux hussard, je finissais dévoré tout cru. Dites, vos deux épées, là, ça doit pas être pour la frime. Venez avec moi, tenez les goules à distance. Aidez-moi à trouver Bastien, et je vous paierai bien. Entendu. Seulement... la bataille remonte à plusieurs jours. Les chances de retrouver votre frère vivant sont minces. Très minces. Sans blague. Mais... je tiens à retrouver son corps, au moins. Que Bastien pourrisse pas au soleil à côté de ses foutus escadrons noirs. Retrouvez-moi sur la colline qui surplombe le champ de bataille. De là, on ira ensemble. Ok, parfait. Alors, faut d'abord que j'aille dans les... ah, attends. Comment je fais? Hop. Nickel. Putain, une de ces pites. Ablette. Allez, on est parti. Comme d'hab, on bouscule. On bouscule un gamin. Alors, tu cours plus vite qu'un cheval, enfoiré. Putain, j'ai l'impression qu'il se balade en casson. Non, mais t'es sérieux, mec? Bon, allez, je me casse, hein. Je pars devant, gars. Hein. Sinon, c'est pas possible. Ok, donc ça c'est un nid de goule que j'ai dégagé. Oula, Ablette! Qu'est-ce qui se passe, mon chat? Elle avait la tête dans le sol. Ah, tiens, on va descendre ici. Je vérifie que tout est ok. Y'a rien aux alentours. Bon, bah du coup, faut que j'attende l'autre, c'est ça? Ah, vous voilà. Bastien... son corps doit se trouver là, quelque part. Au milieu de beaucoup d'autres. Il va falloir les examiner un par un. Ça risque de prendre un moment. Vous en faites pas. Les recrues de Blanchefleur ont une petite fleur peinte sur leur écu. Pour s'identifier pendant les combats. Ils étaient qu'une poignée. En cherchant les fleurs, on devrait vite retrouver Bastien. Sans vouloir jouer les pénibles, plus d'un soldat a lâché son bouclier. Surtout dans le camp des vaincus. Si on ne trouve que le bouclier, Hussard se fiera à l'odeur pour nous conduire à Bastien. Allons-y. Plus vite on en termine, mieux c'est. Les objectifs peuvent parfois vous diriger vers une zone quand la position exacte de votre cible n'est pas connue. Rendez-vous dans la zone indiquée. Ok. Bah écoutez, on est parti. Hop, petite roulade.
Oh putain, il saute, laisse tomber, hein. Crash Bandicoot, le mec. Ok, putain, en plus, les mecs ont du pognon sur eux, donc ça, c'est... Ah, par contre, je vais pas commencer à ramasser toutes les épées rouillées, parce que je vais pas m'en sortir. Alors, mes sens de sorceleur. Ok. Chercher les objets en surbrillance. Oui, bah oui. Haché moussé. Ah oui, d'accord. J'avais pas fait gaffe. Excusez-moi. Allez. Esquive. Oui. J'ai mis un coup dans le cul, hein. Oh là là. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut ramasser la bouffe des ghouls? Voilà, parfait. Putain, ça fait une heure que je tourne en rond là-dedans pour choper un putain de corps. C'est pas le moment de bavarder. Mais ta gueule. Unissons ce qu'on est venu faire ici. Fous la haine, ce mec. Putain, mais dans une micro-zone comme ça, j'arrive pas à le trouver. C'est ouf, ça, quand même. Il s'est fait bouffer, ma parole. Moi, je vois que ça, il s'est fait bouffer. Hein. Tu me donnes l'argent et je rentre chez moi. Hein. Ça sert à rien de paumer notre temps ici comme des couillons. En plus, c'est con. Là, c'est dans le cercle, mais ils vont pas le mettre dans, dans la périphérie, normalement. Ils vont bien le mettre au centre, tu vois. Ah! Vous êtes surchargé. Ça fait plaisir. Putain de merde. Allez, Hussard. Tu sens Bastien, le chien? La peau est toute brûlée. C'est sûrement difficile à savoir, mais... Est-ce que ça pourrait être lui? Yes! Oh putain, une heure pour le trouver, le bazar. Hussard est sur une piste. Venez. Ok, suivez la piste du chien. D'accord. Putain, mais il court n'importe où, ce Golio. Mais ce n'est pas tout. Mon lieutenant a exigé qu'on défecte sur commande. Il pleuvait dru des traits de baliste. Et tout ce qu'il répétait, c'était « Les soldats au ventre plein ne feront pas un pas de plus. Chier tous, c'est un ordre. » Tu te rends compte, l'abruti. Ah, arrête! Tu me tues. Rire me fait mal aux côtes. Un emplâtre s'impose. Mais d'abord, je peux savoir ce qui se passe ici. Bastien? Est-ce que ce Nilfgaardien t'a capturé? Non. Il m'a sauvé la vie. J'ai été touché au flanc, puis à la tête. J'y voyais plus rien. Ce type Rosine m'a trouvé en rampant sur le champ de bataille. Sa jambe est tordue. Et nous voilà, un aveugle et un estropié. On a trouvé cet endroit. Je te ramène à la maison. Il faut s'occuper de tes blessures. Pas question d'abandonner Rosine. Seul, il est foutu, et il peut pas rejoindre les siens. Il a déserté. Ils le pendront. Et s'ils découvrent qu'on cache, on sera tous pendus. Malise avec. Non, le Nilfgaardien reste ici. Bastien s'en est sorti grâce au Nilfgaardien. Prouvez-lui donc que les Nordiens ne sont pas tous aussi barbares que l'affirme l'Empire. Ma foi, on peut lui filer des habits du père, lui apprendre à travailler au champ, mais pour l'accent... Bon, entendu. Ramenons-le avec nous. Merci, sorceleur. Votre prime. Et puissent les dieux veiller sur vous. Ok, bah nickel. Bon, bah écoutez. 25 d'expérience, c'est de la merde. Ça fait plaisir. Oh. Alors, putain, tu sais que depuis le début, je pensais que ça, c'était des chiottes. Je me suis dit, tu poses ton fion ici et puis tu lâches ce qu'il faut lâcher. Et en fait, pas du tout. C'est... C'est un chauffe-eau. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Attendez les gars, je vous vole, hein. Quand même. Il y a 2-3 trucs à ramasser. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver tout de suite pour une quête secondaire. Ok, de retour, on est juste devant la quête secondaire. Donc on va l'activer tout de suite. Que s'est-il passé ici? Hein? Ça caillait un peu cette nuit, alors j'ai rallumé la forge. Chouette flamme et tout. J'ai fait cuire des saucisses. Qu'est-ce que tu crois, abruti?
Un salopard a incendié mon atelier. J'ai tout perdu. Tout. Tout doux sur les insultes, ou votre infortune pourrait s'aggraver. Des suspects? Tout le foutu village. Le demi-siècle que j'y vis, j'ai fini par croire qu'on m'accepterait. Eh, tout a changé quand les escadrons noirs sont venus. Dans l'unique forgeron, il a bien fallu que je m'y colle. Cuirasse qu'à bosser, fer à cheval, ce genre de bricole. Les livres gardiens m'ont pas payé un sou. Juste fourni les matières premières et les commandes. Les humains, ça les dépasse. S'imagine que je me suis enrichi sur leur misère. Que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon. Personne me parle. Ça crache sur mon passage et maintenant ça. Je me charge de trouver votre incendiaire, à condition d'être payé. Me reste pas lourd. Mais ramenez-moi cet enfant de putain et je vous donne tout. Il aura ce qu'il mérite. La nuit de l'incendie, j'ai entendu bouger autour de ma hutte. Je suis sorti pour tâcher de trouver des traces, mais rien. Faut dire, j'ai pas d'yeux de chat, moi. Enfin bon. Bonne chance. Ok, bah parfait, allez. Utilisez votre sens de sorceleur pour trouver des indices concernant l'incendiaire derrière la forge. Ok. Il vous est arrivé quoi, la figure? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Alors attends. Attends parce que je vais mettre 3 heures. Je me connais. Ah! Trace de bottes. Un homme. Grand. Bon bah écoutez, pour le moment c'est super simple. Ça pue la pisse. Et la vodka. Sûrement un russe. Pour rentrer bien dans les stéréotypes. Putain, fuck le buisson. Le problème, c'est le sens de sorceleur, t'as l'impression que t'es complètement torché quand tu l'utilises. Ok. D'accord. Je vais quand même ouvrir ça, on sait jamais. Canne à pêche, filet, ourin, nickel. Ça sent le chien de la casse là-bas. Je dis ça, je dis rien, mais ça sent le chien de la casse. Ah non, soldat. Bon. Ah, il y a des traces là. Nickel. Il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau, sûrement pour brouiller les pistes. Comment on peut essayer de trouver des traces? Il y a rien par là, par des coques. Il y a rien là-dessous. Est-ce qu'il y aurait des choses perdues sous le pont directement, quoi? Je suis encore en galère, je suis toujours en galère. Dès qu'il faut que je trouve un truc, je suis toujours en galère. Putain, je vais me rendre compte après que le truc était juste à côté de moi. Putain, mais avance, Gérald, j'hallucine. Bon, écoutez, j'ai fait tout le tour du... Ah, le mec, il s'est pas fait chier, quoi. Il a fait le tour pour ressortir par là. Tout au fond de moi. Quelque chose a jailli des fourrés, des noyeurs. Mais il a réussi à filer. Ok, alors le bordel, il va nous balader dans toute la ville. Ma grand-mère m'a parlé du fils du forgeron. Il a disparu soudainement. La piste retourne au village. Ok. Qui chassait non loin pour lui poser des questions. Comme il s'est pas laissé faire, schlack. Ils lui ont coupé la tête. La piste s'arrête ici. Mais je l'identifierai au plaid. Bah de toute manière, on va le voler. On va tout récupérer. Ça, j'en... Ah! Bah alors, gamin? Les griffures de noyeur, c'est sûrement lui. Vilaine plaie, tombé sur un noyeur. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pyromane et charmeur en prime. Suis-moi. Le forgeron veut te parler. Un nom humain? Pas question. Tous des salauds, et les nains, c'est les pires. Ils sont capables de tout pour un peu d'or, ces nabos-là. C'est eux qui fourrent des épées aux livres gardiens pour qu'ils nous ouvrent la panse. J'ai pas raison. Écoute, on peut s'arranger d'homme à homme. Je te paie et tu me dénonces pas. Ma mère est morte récemment et j'ai vendu ses outils. Ce que j'ai pas dépensé, c'est pour toi. Mais tu m'as pris pour un chien de la casse, toi. Les nains sont peut-être âpres au gain. Mais moi, on ne m'achète pas.
Alors je vais te fracasser le crâne. Alors je vais te casser le cul. Allez, hey, on lui fait le petit pouvoir de la force. Tout doux. Maintenant, suis-moi. Oui, grand maître. Putain, mais ça marche nickel, ce truc. Ça, c'est un pouvoir, faut pas me donner. Ça, je te jure, c'est un pouvoir, faut pas me donner. Parce que je peux te dire que va y avoir du sexe à tire-larigot, mon poteau. Attends, avant de partir, t'es complètement débile. Je vais quand même tout te piquer. Pourquoi ça reste fluorescent? Voilà. Oh, j'ai vu un objet magique, j'ai pas fait attention. Hop. Ah bah, attends, le truc, il y va tout seul de son côté. Allez, hop, on est reparti. J'espère le forgeron va nous faire quelques réducs quand même. Debout là-dedans. Hein? Quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Un villageois pyromane. Hein? Nap? Toi? Des années j'ai bossé gratis pour ta mère. C'est ça ma récompense? La coupe est pleine. Hé, hey, soldat! Vous avez une minute? Non, Willis! Par pitié, j'étais sous. Je savais plus ce que je faisais. Je vous l'ai déjà dit, maître Willis. On vous aidera à rebâtir dès que les renforts arrivent. Les matériaux ont été commandés. Il s'agit d'autre chose. De lui, là. C'est lui, l'incendiaire. C'est le sorceleur qui l'a trouvé. Oh. Cette forge était vitale pour la garnison. La détruire s'assimile à du sabotage. Pas besoin de jugement. N'importe quel arbre fera l'affaire. Allez, à plus, hein. Les villageois vont vraiment vous adorer après ça. Plus rien à foutre de ces cons. Vous savez, au début je haïssais les Nilfgaardiens, comme tout le monde. Aujourd'hui je me dis qu'ils pourraient peut-être ramener l'ordre, apprendre les bonnes manières à ces rustres. Mais assez parlé. Votre prime. C'est clair. Et j'ai réussi à récupérer deux ou trois choses. Mon enclume est en bon état, je vais pouvoir continuer à marteler. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le-moi, je vous ferai un prix. Ah, ça c'est cool ça. Nickel, c'est ce que je cherchais. Alors normalement, c'est un gars qui... Casse-toi, qui fabrique des armures. Si je vous dis pas de conneries... Bienvenue, fidèle client. Que puis-je pour vous cette fois-ci? Alors, montrez-moi vos articles. Montrez-moi ce que vous avez. Ok, donc artisanat, normalement, je peux fabriquer... Je vais regarder, excusez-moi, hein, je prends deux minutes. Ouais, les plastrons, ah nickel, putain, c'est ça, vous avez vu les plastrons de ouf? Alors le morceau de cuir, je peux me le crafter, donc plus 17, plus 15, seulement là je perds en résistance aux dégâts des monstres élémentaires. En plus, il me faut du matériel supplémentaire, alors que celle-ci, j'ai du plus, enfin du vert partout, il manque aussi un fil de fer. Donc ça c'est que dalle, ça y a pas de souci. Et ça coûte 444, et j'ai 379, je suis pauvre comme un sac. Fuck. Bon, bah écoutez. Je me tire, et on se retrouve tout de suite pour la prochaine quête secondaire. Ok, donc on est devant chez l'herboriste, hop, on lui pique ses plantes. Et je sais que elle a des quêtes secondaires à faire. Oui. C'est le griffon qui lui a fait ça? Oui, pauvre Lena. Il l'a attaquée en pleine nuit, dans les bois. En pleine nuit, dans les bois? En temps de guerre? Oui. La pauvrette devait rencontrer un galant. L'amour rend les jeunes imprudents. Ses blessures guérissent, mais elle est condamnée. Le sang est monté au cerveau. Mes potions ne peuvent rien pour elle. Je pourrais lui faire boire une de mes potions. L'hirondelle peut enrayer les hémorragies internes, mais... Mais ? Les potions de sorceleur ne sont pas faites pour les humains. De toute façon, elle va mourir. Oui, une mort paisible, grâce à vos concoctions. Mais si je lui fais boire ma potion et que les choses tournent mal, je peux vous assurer que tout le village entendra ses cris. Je comprends. Faites comme bon vous semble. Vous avez entendu parler d'une femme nommée Claire? Elle vivait dans le coin.
Si j'ai entendu parler d'elle, c'est peu dire. Claire était mon amie. La seule personne dont je me sentais proche à Blanchefleur. Jusqu'au jour où son mari, Volker, s'est querellé avec le seigneur du manoir. Toute la famille a dû quitter le village pour s'installer dans les bois. Le seigneur et ses hommes ont voulu les persuader de revenir. Ils voulaient juste les convaincre, mais... vous avez vu le résultat. On raconte que Claire aurait dit quelque chose à propos de Florian, le fils du seigneur. Mais qui peut savoir la vérité? Ça fait beaucoup de malheur pour un si petit village. Hélas, aucun village n'échappe au malheur. Mais ne nous quittons pas sur une note triste. Tenez, voilà un peu de réconfort. Ok, nickel. Qu'est-ce que tu m'as donné? J'ai pas fait attention. Préparer une dose d'hirondelle. Ok. Alors, alchimie. Donc, potion... Ça, c'est le chat. Le chat, c'était pourquoi déjà? C'était pas l'invisibilité? Ah non, voir dans le noir. Putain, je me souvenais plus. Hop. Hirondelle. Ingrédients manquants. Donc, j'ai les patates. J'ai la boisson. Il manque de la chélidoine. Très bien. Alors, est-ce que tu vends ça, gamine? Oui. Parce que t'aurais pu me les donner directement, hein, dans ces cas-là. Vous avez des herbes à vendre? Je dois pouvoir vous trouver ça. Alors, donc normalement c'est celle-ci. Ouais. Je vais en prendre... je vais en prendre 4. Ça coûte que dalle. Au revoir. Hop, et on va tout de suite la crafter. Qu'est-ce qui manque? Oh, il en faut 5! 7 fois, on va la crafter correctement. Elle me dit pas qu'il manque un truc, hein. Nickel. Apportez la potion à l'herboriste. Oui. J'ai une potion pour Léna. Hirondelle. Premier signe du printemps. Symbole de la renaissance. C'est un nom approprié. On verra. Je vous l'ai dit, la souffrance pourrait être terrible. Sur moi, l'effet est immédiat. Mais j'ai un métabolisme plus rapide que la moyenne. Dans son cas, il faudra attendre plusieurs jours. Qu'est-ce qui vous a décidé? Je ne peux pas la laisser mourir sans rien tenter. Vous me plaisez, sorceleur. Tenez, pour vous remercier. Ah, fuck! Ah, fuck! Je pensais qu'en lui apportant ça, j'allais pouvoir me la taper. Mais Walou, mon poteau. Bon, la quête est terminée. Alors, normalement, il n'y en a pas d'autres. Niveau 4, putain, mais c'est le truc de fou. Bon, bah écoutez, les amis, 3 quêtes secondaires en un épisode. J'ai envie de dire, on est plutôt pas mal. On a augmenté de niveau. J'ai plein de points de compétences à m'affecter. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire si c'est le cas. Voire à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se dit tous à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.